Hola, Cere. Et l'aventure commence là. Et quelle aventure, regardez ça. Oui. J'arrive. Hola, Cere. Estamos yendo para La Habana, Cuba. Primero, ¿a dónde vamos primero? Vers La Habana. Non, on va à Paris. Non, la destination finale. Destination finale, non. La destination finale. La destination. Parce qu'on a eu la bonne idée de regarder le film Destination Finale. Enfin, on a vu pas mal et du coup, c'est pas terrible. Ah, bref. Habana, vamos. Donc là, en fait, on va à Paris ce soir. Parce que là, on est samedi et il est 20h, il est 7h30, 19h30. On a l'avion à 20h30 et demain, on part à La Havane à 16h. Enfin, on a 9h, je sais pas combien d'heures de vol. Voilà. Bon, là, on est un peu plus léger. On a laissé une partie du poids à la dame. Et ben on est parti. Là c'est mon moment préféré. C'est l'heure du toucher rectal. Ça fait 3 heures que je rigole parce que je sais pas le dire en espagnol. Donc si tu sais dire toucher rectal en espagnol, dis-le moi en commentaire. Et voilà, c'est. Voilà. On est en train d'attendre, voilà. C'est passionnant. Son bah là, hombre sérieux, ta chiquita m'accueille pas. Je vais pas traduire, c'est pas la peine. Mais c'est pas vrai en plus. Bref, allez, hein. On se retrouve à Paris. Les gars, ça va plus, je me suis fait avoir. Il m'a pris ma place. Il s'est mis à ma place avec ma fenêtre. Tranquille, c'est pas moi. Et il m'a l'argument du menteur. Il m'a dit oui, mais si je me mets au milieu, il va avoir une autre fille à côté de moi. Il est là le problème. Il va y avoir une autre fille à côté de moi, mais ça marche pas avec moi. Mais c'est chaud, quoi. C'est pas grave, c'était marrant. Peut-être c'est moi qui vais avoir un beau mec à côté de moi. On va voir. C'est fort. Ouais. Non, mais vraiment bien leur avion. Comment dit ça, bien. Peur. Peur. Alors. Peur. Peur. Ouais, mignon. Oulala. On va en Paris. Bon, on a une. Tremendo un frio de pinga. Para la redonera, un frio de pinga. Tremendo frio. Ouais, en fait, on se pèle un peu, mais bon, ça va. Donc là, on est dans la chambre d'hôtel, on va aller manger parce qu'on a un peu faim. Bon, on est le lendemain, donc hier soir on est allé manger, on est revenu, enfin bon, il n'y avait rien de très très intéressant à filmer. Et là on va vous montrer le double vitrage, ce que c'est qu'un vrai double vitrage. Ah. Alors, un vrai double vitrage, c'est ça. T'as besoin d'ouvrir, déjà c'est pas possible. Il y a deux fenêtres, mais on sait pourquoi. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas ça... Putain, le bruit quoi. Paris. Le bruit de l'aéroport, le bruit de la route. Et
Mais Paris, c'est vrai, hein, c'est gris. Hey, l'aventure continue. Alors Charlotte, si tu me regardes, tu vois, j'ai la mèche que tu aimes bien là. C'est... Je suis coiffée à la One Again Boost Fly. On est au restaurant. Et en fait, bon, c'est toujours un peu compliqué parce que je cherche des endroits où je peux manger tout, quoi. Hey, gente. Hola, Et c'est chiant parce qu'en fait, ils font plein de trucs, ils marquent veggie. Enfin oui, c'est vrai, c'est végétarien, mais c'est pas végétalien. Donc ils te font toujours des œufs ou du fromage en plein milieu. Alors j'ai les boules, ouais. Bref, donc là, on attend qu'on prenne la commande et après, on va prendre un Uber pour aller à l'aéroport. Voilà, je suis passée chez Poulember. J'ai craqué. Vous voyez mes ongles de Cuba? Et voilà. Quindi la cosa sarà gnocchi, se sarà grande, a veces me ponen gnocchi, io faccio così. La petite portion. Però un gnocchi grande. C'è molto in inglese. Much? A lot? Big. Big gnocchi. Gnocchi sì, grande. Oh, tu sei un gnocchi. No. È una vergogna per l'italiano. Guarda. Piccolo così, mamma mia, si vai all'Italia e mettono un piatto così, riempito. Lo sai. Alors ça fait le dur en commandant des pâtes qui piquent, mais après. Il transpire, il en. Alors maintenant nous sommes à l'aéroport de Paris, l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Ouais, muchacho. Et en fait, petite surprise, c'est qu'ils nous ont changé l'avion parce qu'il y avait un problème technique sur le nôtre. Problème technique. Problème technique. Du coup on doit attendre. Mais on a eu un paquet pour manger gratos. On a pas été fou là, 11 euros. Voilà. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, on a plus de l'info là, donc vous avez vous cherchez sur internet. Ah, il m'enlève l'appareil. Hello. Tremendo flow. J'ai une tronche les gars. Moi j'ai pas besoin de le dire, ça se voit. Bon, quand ça donne envie de vomir, c'est pas moi qui filme. Que ce soit Michael, soit Charlotte. Et tu le vois où la vanne? Ah oui, en fait, je voulais vous montrer ça, je sais pas si on le voit. Je suis pas sûre de bien voir là. Echando la vie con Ramari, lo blanco. Toi tu es les blancs? Il est grosso lo blanco. Aïe. Que faire la caine de l'avion? Le pilote fait mon sac. Bon, alors là les gars, je vous explique qu'il y a un petit changement de programme. C'est-à-dire que là, Michael est en vol pour aller à Cuba. Et moi, je suis à Paris toute seule comme une chienne. Voilà. Non, alors je vais vous expliquer plus en détail. Pour ceux qui n'ont pas vu le live que j'ai fait sur Facebook ce soir, en fait quand on est arrivé pour prendre l'avion, ils m'ont dit mais il est où votre visa? Je dis quoi, j'ai pas de visa. Ah mais il faut un visa. Moi je croyais que c'était une blague parce que limite la nana elle rigolait, donc j'ai dit elle me fait une blague, elle va me faire peur et puis je vais y aller quoi. Sauf que non, en fait j'ai pas pu partir ce soir, donc il faut vraiment un visa pour aller à Cuba. Bon ben ça je savais pas, moi je suis déjà partie deux fois et avant c'était pas comme ça. Et du coup en fait là il fallait que j'aille à l'ambassade de Cuba à Paris ou voir un tour opérateur à l'aéroport de Roissy. Et donc la nana de Air France a été super sympa. Elle a envoyé un texto parce qu'en fait il était je sais pas, il devait être 18h30, donc les guichets étaient fermés. En plus on est dimanche, je crois que c'est particulier, à quelqu'un qui travaille
Je suis dans tour opérateur à Charles de Gaulle, à Roissy. Et elle a demandé s'il travaillait demain et s'il y avait moyen d'avoir le maudit visa. Et il lui a dit que oui, donc elle m'a envoyé un texto pour me demander si j'étais toujours ok, tout ça. Enfin bref, du coup, demain c'est réglé quoi. Mais donc là, lui est parti avant moi parce que le problème c'est que sinon lui, il allait perdre son billet. Moi, ils m'ont transféré sur le vol de demain gratuitement, donc j'ai eu finalement dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Et donc moi, je prends l'avion toute seule demain, donc c'est un petit peu les boules. Premier voyage ensemble et on n'est pas ensemble. Et en plus, c'est pas juste une heure de vol quoi, c'est 8 heures ou 9 heures de vol, donc... ça va être long, mais j'ai rencontré un couple très sympa qui est dans la même merde que moi, donc on va se retrouver demain. Et bah, la suite de mes aventures, demain. Voilà, donc il fallait bien que sans dynamite ait quelque chose à raconter. Et bah, c'est chose faite. Donc Michael s'inquiétait pour ses papiers, finalement c'est moi qui avais du souci à me faire. Voilà, c'est la merde. Non mais les gars, allô quoi. Bon, on est dans un Formule 1, soit. Il n'y a pas de savon dans la chambre ni dans la douche. D'habitude, il y a les distributeurs là. Là, il n'y a rien. Donc là, j'ai payé 2 euros pour ça. On dirait une boîte de Médoc. Je ne sais pas où ils ont pris cette boîte. Mais bon, bref, j'ai payé 2 euros. Qui est le prix qui est plus cher que le prix d'un gel douche qu'on achète dans le commerce. On est d'accord, d'un gel douche de taille normale. Pour. J'arrive même pas à le tenir dans la main. Tellement c'est petit. Pour ça, 2 euros, les mecs, 2 euros. Mais où va-t-on? Bon, mais je suis propre, alors voilà, là, je concevais pas l'idée d'aller aux chiottes à côté et de pas me laver les mains en sortant. Donc voilà. Paye ta connerie, Sandrine, voilà. J'ai fait ma petite lessive. Alors les chaussettes ne ressortent pas aussi blanches que quand je les lave à la machine, mais bon, hein, on fera avec.